Salut, c'est Shaman de Ludovox, bienvenue dans ce Ludochrono. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu Twins, un jeu pour 4 à 10 joueurs à partir de 12 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Alors, dans Twins, c'est un jeu dans lequel nous allons gagner des points de victoire en faisant deviner des mots aux autres et en réussissant nous aussi à deviner les mots des autres. Nous avons deux paquets de cartes, le jaune qui est plutôt novice, assez facile, et nous avons le bleu qui est un paquet plus expert. Donc, au début de la partie, on choisit avec quel paquet on va jouer et on va s'y tenir. Suivant le nombre de joueurs, on va piocher au hasard un certain nombre de cartes. Ça représentera toutes les cartes que nous allons utiliser pour cette partie. Quand il ne restera plus qu'une seule carte dans le paquet, la partie sera terminée. On désigne au départ les deux joueurs qui démarrent, donc un duo, donc deux joueurs qui sont côte à côte. Ils prennent une carte qu'ils regardent ensemble. Et là, on voit qu'il y a des mots qui sont écrits des deux côtés avec des numéros. Ils regardent le numéro ici de la carte qui est encore face visible sur la pioche. Donc là, c'est le numéro 2. Ils regardent le mot qui correspond dans la colonne qu'ils ont choisie. Donc là, par exemple, c'est lycée. C'est le mot qu'ils vont devoir faire deviner. Ils doivent faire deviner le mot lycée. Ils n'ont pas le droit de communiquer ou de se mettre d'accord sur comment ils vont le faire deviner. Les autres joueurs vont compter 5, 4, 3, 2, 1. Et à zéro, les deux joueurs qui font partie du duo doivent dire un mot et un seul qui n'est aucune racine commune avec le mot en question. Ils ne doivent pas évidemment prononcer le, le mot en question également pour essayer de faire deviner aux autres. Donc, ils ne vont dire qu'un seul mot indice. À partir de là. On peut avoir des pénalités qui s'appliquent. Si un joueur dit son mot indice plus tard que son coéquipier, si jamais il ne dit rien, s'il si réutilise un, un, un indice qui a déjà été utilisé, ou s'il utilise un mot qui a une racine commune avec le mot qui a été trouvé, voire même s'il dit le mot en question, ils vont perdre un point. Si jamais les deux joueurs utilisent le même indice au même moment, immédiatement ils perdent deux points. Donc on commence la partie avec trois points, mais c'est pour nous permettre de tout de suite en perdre. Une fois que c'est fait, les autres joueurs peuvent essayer de faire deviner le mot, à moins que le mot en question ait été prononcé, dans ce cas-là, ça met fin à la manche, et chacun va faire une proposition. Si personne ne trouve, les deux membres du duo vont pouvoir, à nouveau, faire une nouvelle tentative avec, en proposant, deux indices, sachant qu'ils ne doivent pas prononcer un indice déjà prononcé au tour précédent, sinon ils perdent un point, et refont une proposition. S'ils disent encore une fois, alors qu'ils l'avaient fait avant, le même mot indice au même moment, ils vont encore reperdre des points, et ainsi de suite. Les joueurs proposent des choses. Si un joueur trouve, il prend la carte, ça lui vaudra deux points à la fin de la partie, et les deux membres du duo vont gagner un point chacun. Si personne ne trouve, eh bien, on passe à la suite et personne n'a gagné de points. Donc, le prochain joueur, ça va être le membre le plus à gauche du duo, hein, dans le sens du tour, et son voisin. Donc, ça veut dire que, en fait, on va faire partie de duo deux fois de suite, puis passer la main à la suite pour essayer de deviner. Voilà, donc on joue jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule carte dans le paquet, et une fois que c'est fait, eh bien, c'est la fin de la partie. On compte les points, deux points pour chaque carte gagnée, plus les points accumulés en faisant deviner, et ça nous donne notre score final. Celui qui a le plus haut score gagne la partie. Voilà, vous savez tout sur Twins, maintenant, à vous de jouer!